What's up les boys, je copie l'idée à Gab aujourd'hui, puis je vais mettre nos teams du pool d'NHL pour voir c'est qui a fait la meilleure équipe. Gab l'avait fait, je me rappelle pas quand, là, je pense, c'était pas l'année passée, je pense que c'est l'autre d'avant. En tout cas, j'avais trouvé ça une très bonne idée. Fait que là, je vais le refaire. On va faire un mode playoff là, pour voir genre c'est laquelle équipe qui peut se rendre le plus loin. Fait que là, je vais aller créer les équipes. Bon, ok, j'ai fini d'écrire les équipes. Fait que là, vu qu'on est 7, je peux pas choisir 7. Fait que j'ai pris 8. Mais j'ai créé une équipe à chier. Ils sont 32 overall. Puis je vais les faire jouer contre la team à Genio. Parce que Genio, il a eu le last pick. Fait que c'est comme si elle a bon un bail à la première ronde. Ouais. C'est ce que j'ai trouvé le plus fair là. Parce que je peux pas faire des playoffs à 7. Après ça. On va faire un best of 7 comme dans la vraie vie, si on s'en fout de les. Ouais. On va mettre des périodes normales. Hein. 20 minutes. Outil. Difficulté, on va mettre ça le plus tough possible avec Superstar puis traditionnel. Oh full sin, ça est bon full sin. Ok. Ok, là on va choisir les équipes. Créer des custom teams. On a mon équipe. Le premier pick va jouer contre. Ouais, normalement, ça serait supposé d'être le dernier pick. Mais là, c'est Genio qui a le dernier pick. Fait qu'on va faire un contre. Ah, fuck it. On fait un contre 2, 2 contre 3, 3 contre 4. Ça veut dire c'est Gab. Ici. Après ça, il va avoir 3, c'était Louis. Contre 4, c'était Jack. Après ça, on a... Sim. Compte Do. Puis on a Jen. Contre la team de marde que j'ai créé. Les poils. Alright, fait que ça a l'air de ça. Moi contre Gab, premier pick contre deuxième pick, troisième pick, Louis contre quatrième pick, Jack, après ça, Sim contre Do, puis Jen contre l'équipe de Marte, fait que c'est son bail. Fait qu'on va start ça comme ça, je vais vous montrer les rosters, là, juste pour être sûr que j'ai mis les bons rosters. Ok, fait que là on a les équipes. On a ici les miens. Vous mettre en pause là, pour checker si tout est good si vous voulez. Là. Je vais juste les montrer vite vite. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire. Dans chaque équipe, vu qu'on avait juste 10 attaquants, je nous ai tous rajouté Paul Byron puis la légende Yamamoto. Faut pas que ça l'affecte trop, mais qu'il y ait quand même genre deux joueurs qui prennent la place. Là. On a Louis. Genio.
Oh shit, Genio, il s'est pris 4 centres, 4 left wing, 4 right wing, c'est quand même fort. C'est... Jack. Puis Gab. J'ai oublié quelque chose aussi. Pas j'ai oublié, mais... pour Genion en défense, j'ai cherché pendant genre 15 minutes sur la team des Flyers pour trouver Matt Niskanen, pis il était pas là. Fait qu'à place, je t'ai donné Gustis Bear. I guess il est pas mal équivalent, là. Fait que, vraiment, je pense pas que c'est un joueur qui va changer le sim, là. Fait que c'est ça. Pis ça, c'est la team de merde que j'ai créé, là, les poils, là. Ouais, on voit que les overalls, là, c'est à chier. Bon, mais là on est prêt à commencer les playoffs. Fait que comment que ça fait, c'est qu'on s'assime une game à la fois dans chaque série. Fait que la première c'est moi pis Gab. On va sim une game. Et c'est... Moi... non, c'est Gab qui a gagné la première game. Fait que Gab gagne 1-0 live. Jacob contre Louis, ça donne... Jack qui gagne. Do contre... Sim. Do qui gagne. Puis Jen contre les poils. C'est passé quoi là? Je peux même pas voir. Je peux juste voir les logos. Shit. Ok, on le voit là. Ok, ouais. Ben, Jenny a gagné. Pas surprenant. Ok. Next up. On a. Moi pis Gab encore. C'est rendu 1-1. Louis contre Jack, ça donne... Jack qui gagne 2-0. Do contre Sim, ça donne... Do qui gagne 2-0, puis Jen qui a son bail. Qui gagne 2-0. Et Gab pis moi. Gab gagne 2-1. Louis contre Jack. Oh, c'est rendu 2-1. Louis en a gagné une. Sim contre les Nordiques. Pas Sim contre les Nordiques. Sim contre Do. C'est 2-1. Sim, il a gagné la game. Puis Genio avec son bail. Il va être à 3-0. Ok. Gab contre moi. T'es rendu 2-2. Louis contre Jack, est-ce qu'ils sont capables de. Louis, t'es-tu capable de tie it up? Yes sir, 2-2. Même chose pour Sim. Oh my god, tout est tied. Puis il y a Jen avec son bail. Fait que Jen, il move on. Pas surprenant. Après ça, moi contre Gab, c'est qui prend le lead? C'est moi, let's go. Jack contre Louis. Jack reprend le lead. Il me semble que c'est ça, là. Ouais, c'est Louis qui, c'est Jack qui prend le lead 3-2. Do contre Sim. Est-ce que Sim peut come back? Oups, non, je veux pas. Bro, j'ai cliqué play game. Je veux pas fucking play la game. Oh. Si, j'ai pas vu. Oh, Sim a pris le lead 3-2 contre Do. 3-2 pour moi live. Je serais capable d'éliminer Gab. Et je le fais. Goodbye Gab. Le second round pick se fait gagne contre le first round pick. Jack pourrait éclater Louis live. Et il le fait. Fait qu'à date, Gab et Louis sont out. Puis là, Sim, il y aurait une chance de mettre Louis out, mettre Do out. Oh, et c'est égalité 3-3. On va jouer la dernière game. Game 7. Non, pour, juste pour le suspense. On va le faire de même. On va le mettre à... Oh, je peux-tu accélérer le temps?
pour le pause. Ok, oui, c'est ça. Je suis sur 1. Oups. J'ai sim une période au complet. C'est 3-2 pour dos. Ça, je voulais faire. Ok. On va sim avec le temps. Au powerplay. Et semi tie-up avec Ovi. Oh, il prend le lead. Brian Rust. Encore Ovi. Il bat les Ovi est en fire ces games-là. Oh, powerplay d'eau. C'est rien. Fin de la deuxième période. Troisième période commence live. Oh, Matthews. Un but pour sauver Do. Sinon, Sim, il win. 5 minutes. Pour l'autre, le goalie. Et ça servit à rien. Sim va gagner. Et comment je fais pour quitter les sites? Ok, faut que je les pas. Bon. Fait. Sim va battre Do en game 7. On va regarder les team stats après la première ronde. On a Ovi avec 11 points. Malkin 11 points. Ça, c'est tout Sim. Après ça, Matthews. McKinnon. Heiskanen. Oh, Heiskanen, il est quand même élevé. Jack, son Heiskanen, il l'a aidé. Tavares. Yamamoto, à qui ça qui est rendu là? Chris. Attends, il est à quelle équipe? Oh, il est à équipe. Non. Juste le gros. Oh, c'est Toronto. Genre, je vois Toronto. Fait que c'est le Yamamoto à Jack. Le Yamamoto à Jack est en fire, big. Il est dans le top 10 des players de. En tout cas, on continue. On a moi contre Jack. Le duel tant attendu. Les deux meilleurs teams, à mon avis. Et à l'avis de Do aussi. But let's go. Première game. C'est Jack qui gagne. Après ça, Jen contre Sim à sa première vraie game. Il gagne. Ils sont rendus 5-0. Moi contre Jack. On tie up. Jen. Qui est rendu 16-0. En train de gagner 2-0 contre Sim. Je prends le lead 2-1 contre Jack. C'est 3-0 pour Jen. Jenno, il est undefeated cette playoff. Hein? Après ça. Moi contre Jack encore. C'est rendu 2-2. Mon McKinnon a 18 points en 10 matchs. C'est quand même assez exceptionnel. Et Genio, est-ce qu'il va sweep Sim? Oh my god, il a sweep. John, ta team est trop bonne sur Charles. What the fuck? Bon, mais John est rendu en finale. Je prends le lead 3-2 contre Jack. Puis on va aller Sim. Oh. Et voilà, j'ai battu Jack. Et on a moi contre Genio en finale. Puis là, pour garder le suspense, on va aller simulate chaque game. Donc là, on va mettre ça à x8. Braden Point score en premier. Ah, oh, c'est ça, c'est parce que Genio a Vasilevski dans les net, big. Vasilevski, c'est... Il est 8 wins, là. Le gars, il est en fire. 2-0. Ok, Vasilevski va se faire pull out. Là. 3-0. Let's go. Fin de la première période. Comment je fais pour continuer? Boire Jen, cette game là, ça vaut pas.
5-0 après deux périodes. Troisième période. 6-0. Ah, tu vois, Brayden Obi, ils ont pull out Vasilevskiy, je l'avais collé. Oh, Jenny score un but. Et Seth Jones en score son deuxième de la game. C'est 7-1. Qu'est-ce qui se passe? Toutes les buts. 8-1. Oh, mais ça l'a fini 8-1 à la première game. On va aller jouer la deuxième game. Oh, pas beaucoup de buts en première période. Ok, aucun but. Power play. Nope. Oh. Je viens de score en premier et moi je le taille avec mon boy Suzuki. McKinnon. Nylander. Oh, Claude Giroux, 3-2. Fin de la deuxième période. Troisième période. Giordano. 4-2. Il reste 10 minutes. Powerplay. Klingberg sur le powerplay. Et ça va finir 5-2 pour la deuxième game. Je prends un lead 2-0 contre Jen dans la série. Oh, Jen score en premier, tanné de perdre. Oh, Brad Marchand. Et tie-up. Fin de la première. Continue. Powerplay pour Genio. Il fait rien. Marché, sauver, me scorer. Genio, lead au powerplay. Il fait rien encore. Powerplay pour moi, ils vont faire rien. Et McKinnon vient tie-up encore. Troisième période. Powerplay Genio. Encore rien. Oh, Shifley vient scorer. Il reste 8 minutes. On est capable de tie-up ou Genio win in game. Et Genio win la game 3. C'est 2 à 1 pour le Pool Master. 25 points en 15 games pour McKinnon, il est en feu. Commence avec un powerplay, on score pas. Oh, il est bien long. C'était un 5 minutes. La première période 0-0. Oh, Weber score le premier but de la game. Un autre powerplay. Et Stamkos 2-0. Powerplay. Oh, Couturier 2-1. Fin de la deuxième période, 2-1 pour Genio. On rentre en troisième. Il commence avec un power play. Pas capable de scorer. Les tirs, c'est 33-19. 35-19.
Et Genio, on est gagné la game 4 pour venir tie-up la série. Il est rendu 2-2. Qui va être capable de prendre le lead dans la série? Braden Point avec le premier but. Chris Allen vient tie-up dès le début de la période. Mais Byron, my boy Byron, vient scorer un autre but. Powerplay pour Genio. Il fait rien. C'est 2-1 après deux périodes. On rentre en troisième période. Powerplay pour moi. On se croit pas. Shifley vient tie up. Ils ont un powerplay. Pas capable de prendre le lead. Est-ce que ça s'en va en OT? Non, Genio score avec Marchesso à 3 minutes de la fin. Pour venir prendre le lead dans la série. Oh shit. Genio gagne 3-2 live. Il pourrait... Oups. Oh wow. Je voulais sim. Oh, Genio a gagné. Je voulais sim, mais j'ai cliqué sur sim. Fait que Genio a gagné. 4-2. Avec un record de 12-2. Je sais pas si ça allait avoir à sa première série qui avait son bail. Mais ça va donner ça. Ça va donner que McKinnon avec 26 points en 18 games. Après ça, t'as Marchand avec 20 points. Svechnikov. Après ça, joueur à Jen, Shifley. Le Malkin à Sim qui est là, même s'il a joué juste 11 games. Mon couturier, son Ovechkin. Fait que dans le fond, on voit que McKinnon est une beast. Qui est vraiment en avant des autres. Mais c'est quand même génial, selon NHL, que la meilleure team. À quel point c'est vrai, je sais pas. Mettons qu'on check si sa team, là. C'est quoi les points qu'ils ont. Le meilleur a 14 points. C'est ça, 13, 13, 12. Ils ont pas tant de points que ça, là. J'imagine... que c'est à cause de son gardien. Attends qu'on check les goalies. Là. Ben, Vasilevski, c'est une beast. 2.4. 9.11. Je sais pas si c'est des bons chiffres, ça. Attends qu'on compare avec... le mien. 9.13. En tout cas, on va voir si c'est ça que ça va donner. Si c'est les joueurs Genio qui vont se get le plus de points cette saison. En tout cas, voilà pour le sim de notre pool sur NHL 21. Check it, boys.